Un vote à main levée à la majorité. Près de 500 producteurs de betteraves, soit la moitié de ceux qui produisent pour la sucrerie de Cany, se disent prêts concrètement à mettre la main à la poche. Ce plan, ça, c'est un projet planteur, majoritairement détenteur des parts sociales dans une future coopérative. Ça veut dire qu'il faudra que les planteurs mettent X euros la tonne de betteraves pour avoir des parts sociales, pour pouvoir financer en fonds propres cette coopérative. La région Normandie accompagnera aussi financièrement ce plan de reprise qui prévoit 60 millions d'euros d'investissement sur 7 ans pour remettre l'usine de Cany à niveau. Mais pour l'heure, rien d'acquis. Le groupe sucrier allemand refuse toujours de céder le site. Or, les producteurs ont besoin d'une vision à court et moyen terme. C'est primordial d'un point de vue économique, agronomique, diversité de nos cultures dans les assolements. C'est de toute façon, aujourd'hui, inconcevable de penser à autre chose. Le site d'Epville, dans la Somme, et celui de Cany sont concernés par le plan de reprise. Dans le Calvados, on envisage un débouché avec une valorisation de la pulpe, mais pour certains producteurs, le temps est compté. J'ai peur de produire de la betterave. Les montants d'investissement me font peur. Enfin, moi, dans mon installation, il me faut une sûreté, au moins sur 5 ans. Là, on ne l'a pas du tout. Le groupe allemand Südzucker cédera-t-il le site à cette coopérative ? Lui qui est guidé par les lois libérales du marché et celles implacables des actionnaires.